trouve épanoui, heureux de vivre. Ils ont voulu cette révolution. Certains, bien sûr. Bien sûr. Ça s'agite là-bas. Enchanté de votre visite.
Les maçons ont dégagé une ouverture à la cave. Elle devrait permettre de se déplacer sur la berge nord, à l'abri des regards. Si le besoin s'en faisait sentir, bien sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon ami. Impressionnant, non? Qu'est-ce que c'est? Un héritage de la confrérie. Cette armure était celle de Thomas de Carneillon. Je n'ai pas la moindre idée de qui il s'agit. C'est lui qui a mené l'attaque qui a permis la capture de Jacques de Molay. Il a sapé le pouvoir des Templiers d'Europe pendant plus d'un siècle. L'usage voulait que cette armure revienne à un assassin qui a fait honneur à la confrérie et à la France. Le sceau qui ouvre cette salle a été perdu il y a plus de deux siècles. Personne ne l'a ouverte depuis. Je vois pourquoi il n'était pas question d'appeler un serrurier. Parlez-moi de ce sceau. Il était composé de trois anneaux, un pour chaque porte. Mais il a été brisé avant même d'être perdu. Ces fragments sont sans nul doute éparpillés dans Paris. Mais nous ne disposons que de vagues indices sur leurs emplacements. Et si quelqu'un les retrouvait tous, considérerait-on que cette personne a fait honneur à la confrérie et à la France? Je suppose que ce serait le cas. Bienvenue au siège des assassins, monsieur.
J'imagine que ces quartiers ne sont pas ouverts au public? En effet. C'est un club privé, réservé à nos frères et sœurs assassins. Vous pensez que cela ne suffit pas d'appartenir à une seule société secrète? Certaines missions nécessitent les compétences de plusieurs assassins. Lorsque c'est le cas, beaucoup préfèrent avoir affaire à la même équipe. On finit par connaître les forces et les faiblesses des autres, par savoir comment chacun réagit en situation de crise. Appartenir à un club facilite l'organisation de telles équipes. J'imagine que cela vaut mieux que de s'allier avec le premier venu. En effet. Thank you.
Nous ne pouvons pas faire venir de grains d'Autriche. La faim nous menacera tous. Devons-nous alors nous rendre? Je n'ai pas parlé de reddition, citoyen. Je dis seulement qu'il nous faut bien trouver du pain. Et pourquoi ne pas demander aux Prussiens de nous approvisionner en poudre et en balles tant que vous y êtes? Une fois encore, mon ami se complaît à détourner les faits et les idées pour vous manipuler. Demandez à nos ennemis de nous nourrir. Quelle absurdité odieuse! C'est pragmatique. Pragmatique? Pragmatique! Leurs canons sont à nos frontières. Ils ont menacé de raser Paris. Ce que vous proposez n'est que trahison. Et vous? Proposez-vous de nourrir le peuple de ferveur révolutionnaire? Le grain doit bien venir de quelque part. Et d'où peut-il venir tant que nous sommes en guerre? Quel ravissement! Merci. Zaira, 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 les aristocrates, les pendras. Peu pense déjà l'Itaquina, l'aristocratie, mais à culpa. Zaira, 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 le clair de grec, comme bien qu'il a. Bien.
Paris, 1793. La famine fait des ravages. Du pain, je meurs de faim. Recule ! Va-t'en ! La nourriture parvient jusqu'à Paris, mais disparaît avant d'arriver. Trouvez Méricourt et empêchez le peuple de mourir de faim. Oh, je suis clair, ma communauté. Méricourt a envoyé un message au assassin, mais elle s'est attaquée au temple du sol. Rattrapez-la. Que le tiers est à... Bonjour, monsieur. Allons-y. Afin d'éviter tout malentendu, restez sur notre...